Bonjour, une vidéo pour répondre à la question que se passe-t-il après la mort? Donc une question qui est en fait tellement passionnante et tellement peu étudiée. En fait, d'après beaucoup de sources, on passe à peu près autant de temps vivant que mort. Et donc c'est un peu ne pas s'intéresser à ce qui se passe après la mort, c'est un petit peu comme ne pas s'intéresser à ce qui se passe quand on aura plus de 38 ans, mettons, ou 40 ans. On peut imaginer une société comme ça dans laquelle les personnes après 40 ans disparaîtraient toutes et on ne saurait pas où elles vont, mais on saurait qu'elles ne sont pas mortes. Voyez? Donc de la même façon, je trouve assez surprenant qu'on s'intéresse aussi peu, en tout cas tel que je vois les choses autour de moi, à ce qui se passe après la mort. Alors que pour moi, il y a trois sources quand même très intéressantes à ce sujet, qui sont premièrement la science. Deuxièmement, les religions, et troisièmement, les médiums. Donc trois sources qui me semblent assez indépendantes et qui pourtant disent aujourd'hui, avancent des choses qui sont quand même, à mon sens, très cohérentes. Donc, on va commencer par la science. La science, je vais faire brièvement ce que presque tout le monde connaît, hein, il y a ce phénomène de mort imminente. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a souvent les mêmes points qui reviennent. Donc les mêmes points qui reviennent, c'est que la personne entend le docteur dire qu'elle est morte. Ensuite, il y a un bruit assez étrange, une sorte de tintement de cloche, un peu si on veut. La personne passe à travers un tunnel et là, elle voit son corps de l'extérieur. Et puis ensuite, ce qui se passe éventuellement, c'est qu'elle voit des personnes qu'elle connaissait, de sa famille ou des amis qui sont là pour l'accueillir. Ou bien, et ou en tout cas, elle voit un être de lumière plein d'amour qui va lui montrer la perspective de toute sa vie et sous-entendu lui poser la question de comment elle a utilisé sa vie. Est-ce qu'elle l'a utilisée pour aimer ou non? Et puis ensuite, ces personnes donc, qui font une expérience de mort imminente reviennent dans leur corps. Et leur vie en est radicalement changée. Là, j'ai organisé des ateliers sur ce sujet de qu'est-ce qui se passe après la mort. Et il y avait une personne sceptique, enfin sceptique en tout cas, indécise quoi, par rapport à ce sujet, qui disait qu'on ne pouvait pas trop savoir. Et une chose qui l'énervait un peu, c'est que les personnes qui reviennent, parce que donc ça faisait 20 ans qu'elle se posait la question, et depuis 20 ans, elle avait rencontré un certain nombre de personnes qui ont fait cette expérience de mort imminente. Et ce qu'il trouvait un petit peu énervant, c'est que toutes les personnes qui donc ont vécu tout ou partie des étapes que j'ai données disent que ce n'est plus possible d'en douter, quoi. C'est comme une personne qu'on a vue, on ne peut pas douter qu'on l'a vue, quoi. Et donc c'est comme ça sur des dizaines de milliers de cas par différents docteurs en général dans les services de réanimation. Donc quelque chose d'extrêmement bien documenté et qui avance du coup l'idée d'une conscience délocalisée. Conscience délocalisée, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas localisée dans le corps physique et notamment pas dans le cerveau. Voilà. Bon, sachant qu'il y a encore des personnes pour douter de ça. Ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir le pourquoi, hein, pourquoi elles doutent de ça. C'est vrai que les faits, après l'interprétation, on en fait ce qu'on veut, mais je trouve que ça donne une cohérence à dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui survit à la mort clinique. Voilà. Donc, deuxième point important, c'est les religions. Et là aussi, les religions donnent toutes, en gros, les mêmes éléments, c'est-à-dire soit une purification, donc qui s'appelle en général les enfers, soit une certaine félicité qui s'appelle le paradis. Et puis chez les catholiques, il y a cette idée de purgatoire, c'est-à-dire les personnes qui reconnaissent qu'elles ont des habitudes qui sont mauvaises, mais qui ne sont pas encore débarrassées. Vous voyez, il y a trois catégories. Il y a ceux qui ont des mauvaises habitudes et qui ne veulent pas le reconnaître, ceux qui le reconnaissent et qui sont en chemin, donc c'est ce que les catholiques appellent le purgatoire, et puis ceux qui vraiment sont dans le don, dans l'amour de Dieu, dans le détachement. Voilà, donc ça c'est décrit par exemple pour ceux que ça intéresse dans la Divine Comédie de Dante, hein, œuvre de la fin du Moyen-Âge.
Alors, donc, ceci pour les différentes religions. En fait, je ne crois pas qu'il y ait de religions qui disent autre chose. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait de religions qui disent qu'il n'y a rien après la mort. Cela dit, effectivement, on peut argumenter hein, que voilà, les religions en fait ont été créées comme outil de domination. Bon. C'est une hypothèse. Maintenant, quand on regarde historiquement, ça donne plus l'impression que les fondateurs de religion étaient sincères. Qu'après, dans un deuxième temps, certaines personnes politiques aient utilisé la religion, c'est une évidence, mais ça ne veut pas dire que les mystiques et les fondateurs de religion n'étaient pas sincères. Donc là, je trouve que l'argument, au contraire, il est malhonnête. Bon, après, on peut dire, hein, l'homme a besoin de se rassurer, on peut toujours trouver des arguments, mais il se trouve que, par exemple, dans le bouddhisme tibétain, il est décrit que la personne qui sort de son corps va voir la clair-lumière, et de deux choses l'une, soit elle arrive à s'identifier à cette clair-lumière, et donc elle va se détacher et ne pas forcément avoir à se réincarner, soit elle va avoir des habitudes néfastes, et à cause de ces habitudes néfastes, elle va avoir ce qu'ils appellent des hallucinations désagréables. Donc, on retrouve ce qu'on trouve dans l'expérience de mort imminente, qui est un fait scientifique, qu'il y a une lumière qui est présente au moment du décès, et qu'il y a un échange entre l'être et cette lumière. C'était pour prendre un exemple. Et donc, je fais assez rapidement, parce que le but c'est de faire une vidéo quand même assez brève. Troisièmement, les médiums. Donc les médiums, des personnes qui voient ou qui disent voir l'invisible. Et là encore, on a une grande cohérence. Hein, si... En tout cas, moi, j'ai pris plusieurs médiums. J'ai pris Serge Boutboul, qui est un médium français actuel, et puis j'en ai pris un autre connu, Rudolf Steiner. Et ce qu'ils disent voir, et en tout cas, moi, j'ai rencontré Serge Boutboul et j'ai vu des écoles. Qu'avait fait Rudolf Steiner, j'ai vu, enfin, je consomme des produits dont Rudolf Steiner est à l'origine, hein, comme l'agriculture biodynamique, et pour moi, ça n'est pas une personne qui est dans le sensationnel, qui est dans vouloir se mettre en avant, mais c'est une personne qui est là encore une fois, hein, comme les mystiques, une personne sincère et qui cherche la vérité. Donc, au bout d'un moment, soit on a confiance en l'être humain, on a confiance en la science, quand je dis confiance en la science, confiance en les faits que donne la science. Après, les conclusions qu'elle en tire, effectivement, ça c'est questionnable, mais les faits scientifiques, quand ils ne sont pas au service d'argent, et là je ne vois pas ce que ça peut rapporter, cette histoire de mort imminente, hein, c'est pas comme s'ils voulaient nous vendre un médicament. Bon, et les religions, hein, donc les médiums, les religions et la science vont dans le même sens. Voilà. Alors, pour terminer cette vidéo, ça va être quasiment une deuxième partie, en fait, puisqu'il y a quand même plusieurs choses intéressantes à dire. Qu'en dit, à mon avis, la description la plus précise, qui est celle de Rudolf Steiner. C'est une description qu'on peut trouver dans ses œuvres complètes, GA 148 et 161, pour ceux qui voudraient aller regarder les textes d'origine. Et puis qu'on trouve aussi, surtout, enfin surtout, si vous préférez retrouver ces informations de façon imagée, dans un livre qui s'appelle Le pont par-dessus le fleuve, hein, qui a été écrit par des personnes qui suivaient Rudolf Steiner. Et là, ça décrit les étapes post-mortem d'un jeune homme qui est décédé à la Première Guerre mondiale. Et donc ça permet de comprendre ce mécanisme d'une façon plus vivante et plus narrative, si on veut. Mais donc, que dit Rudolf Steiner sur ce qui se passe après la mort? Alors, il dit que, dans un premier temps, il y a une séparation du corps physique, et que le fait que le corps physique soit plus en contact avec le corps éthérique, donc qui est le corps d'énergie hein, qu'utilise la médecine chinoise, ça fait ça que ça donne la possibilité à ce corps éthérique de se déployer, et ce déploiement, en fait, fait ce phénomène du panorama de la vie, hein, qui est décrit à la fois par les personnes qui vivent une expérience de mort imminente et à la fois aussi par une partie des personnes qui vivent une peur très intense. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est sur le point de sortir de la route en montagne,
il peut avoir un choc tel, explique Rudolf Steiner, que le corps éthérique se détache du corps physique, et à ce moment-là, il revoit aussi, mais dans l'espace d'un fraction de seconde, sa vie passée, l'ensemble de sa vie passée. Donc, ce corps éthérique se dissout en quelques jours, et donc reste le corps émotionnel, le corps mental. Et donc, nous voyageons à travers ces corps dans différents plans. Et moi, ce que je comprends, donc, là, pas seulement à travers Rudolf Steiner, mais à travers ce qu'en disent les religions et ce qu'en dit la science, c'est qu'en fait, c'est comme quand on dort, il y a une régénération pour qu'on soit à nouveau frais et dispo pour des nouvelles expériences le lendemain. Si, pendant votre journée, vous avez fait telles activités, en fait, vous êtes rempli de ces activités. Et vous ne pourriez pas continuer comme ça sans dormir indéfiniment. Il y a une fatigue qui est physique, et puis il y a une fatigue nerveuse, émotionnelle, etc. Donc il y a besoin de faire un nettoyage complet d'un jour sur l'autre pour que le lendemain, vous soyez frais et capable d'entreprendre de nouvelles activités et d'apprendre des nouvelles choses. Et c'est, moi, je comprends qu'il se passe la même chose après la mort, donc entre deux vies, si on veut, dans une perspective de réincarnation. C'est qu'il y a besoin de faire un grand nettoyage de les matériaux qu'on a mis en place, donc les croyances, notamment les émotions. Il faut les rendre, en fait, à la vie, pour qu'on ait à nouveau un champ vierge, un champ labouré, sur lequel on va pouvoir planter. Hein. D'ailleurs, là aussi, hein, le cycle de l'agriculture le montre très bien, c'est-à-dire qu'il va y avoir une récolte, et après cette récolte, eh bien, on va labourer pour pouvoir planter à nouveau. Et suivant la qualité de ce que vous avez fait pousser sur votre champ, c'est-à-dire dans votre âme, eh bien, soit vous allez, à la fin de votre vie, profiter des bons fruits que vous avez fait pousser, soit eh bien, il va y avoir plein de gros chardons, plein d'herbes envahissantes qu'il va falloir débroussailler de façon un petit peu pénible. Alors donc plus précisément, comment se passe ce débroussaillage, s'il a lieu? D'après Rudolf Steiner, donc, on monte d'une certaine façon, dans les différentes sphères, c'est-à-dire dans les différents astres. On commence par la sphère de la Lune, dans laquelle on nettoie les désirs les plus grossiers, en fait. Et donc ça, c'est ce que les médiums décrivent comme le bas astral. Donc le bas astral, c'est cet endroit où il y a des êtres qui ont des désirs assez grossiers, en fait. Et donc, on va se libérer des désirs de sensations physiques, on va se libérer du besoin de penser par le cerveau, on va se libérer des projets qu'on n'a pas pu mener à bien, mais auxquels émotionnellement on était encore liés, et puis on va se libérer même de l'ensemble de la vie physique ou terrestre, si on veut. Hein. Et donc ça peut créer un choc, explique Rudolf Steiner, parce que c'est comme si vous arrêtez la cigarette du jour au lendemain, ou vous arrêtez de manger du chocolat si vous êtes habitué à manger du chocolat, vous voyez. Donc, ça peut être un véritable enfer, en fait un sevrage. Donc l'enfer, une première façon de le comprendre d'une façon plus, disons, plus philosophique que simplement morale, c'est donc d'une part un nettoyage, et d'autre part c'est un sevrage de toutes les dépendances terrestres qu'on pouvait avoir. Une fois qu'on s'est libéré de ses désirs les plus grossiers, le Seigneur nous dit qu'on va se libérer des conceptions, enfin des concepts moraux dans la sphère qu'il appelle la sphère de Mercure, et qui correspond dans sa conception des choses à la zone qui se trouve entre la Terre et Mercure. Hein, si on trace après un rayon entre ces deux planètes, on va voir la sphère de Mercure. Il nous explique qu'à cet endroit, les personnes qui n'ont pas été loyales, dont les concepts moraux étaient non respectueux de l'autre, si on veut, vont à ce moment-là être utilisées par des esprits plutôt malveillants, enfin réellement malveillants pour l'humanité, notamment des esprits des maladies. Hein, et donc là encore, on va retrouver un autre enfer, c'est que la personne qui a créé des choses négatives dans sa vie va être utilisée aussi après la mort pour contribuer à des choses négatives. Donc ça fait en fait une troisième compréhension de ce qu'est l'enfer. Hein. Donc un nettoyage, un sevrage, et puis troisièmement, ce à quoi on s'est lié pendant la vie, on le retrouve après. Et donc si on s'est lié à des choses négatives, on les retrouve. Voilà. Ensuite, donc ça c'est
cette sphère de Mercure, on peut la classer par exemple dans le bas astral. Après, astral moyen, ça va être la sphère de Vénus. Donc, astral, ça veut dire émotionnel en fait. Donc on est toujours dans une sphère où on se nettoie des émotions. Donc la Lune, les désirs les plus grossiers, Mercure, les conceptions morales, et puis ensuite Vénus, là il va s'agir de se libérer des conceptions religieuses. C'est-à-dire qu'en vrai, notre esprit n'appartient pas à telle, telle ou telle religion, mais notre esprit est, point. Et donc, si on s'est affilié par convention sociale, familiale ou par choix à une religion, à ce moment-là, notre esprit a besoin de se libérer de ça pour pouvoir recommencer une vie sur un tableau vierge, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Et ce qui se passe également dans toutes ces sphères, c'est que c'est des sphères qui ne sont pas matérielles. Ça, les personnes qui vivent des expériences de mort imminente le disent, les mots terrestres ne correspondent pas vraiment. C'est-à-dire on est dans plus de 3 ou 4 dimensions, si on compte le temps, mais on est dans plus de dimensions, et les choses ne sont pas, c'est pas des particules telles qu'on les connaît. Donc, quelque part, c'est au-delà des mots terrestres, et donc les personnes qui n'ont eu aucun lien avec la spiritualité vont se retrouver dans une sorte de solitude dans ces différentes phases, parce que elles n'auront pas cultivé la relation avec les choses invisibles. Et donc, elle va paumer, en fait, et elles vont se retrouver seules. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va pouvoir être douloureux. Et donc, ça va être une raison de plus d'appeler toutes ces étapes un enfer. Donc, on comprend bien que l'enfer n'est pas un concept tant moral qu'une loi de la nature. De même qu'il y a un hiver dans lequel la sève descend, pour qu'après, elle puisse remonter. De même, il y a, après la mort, une phase de purification qui permet de labourer le champ de notre âme pour qu'elle soit à nouveau disponible. Mais c'est pas du tout une punition, c'est simplement un cycle. De même que l'eau s'évapore, et si l'eau ne s'évaporait pas, elle ne pourrait pas couler pure. Elle serait constamment pleine de boue, de tout ce qui existe au sol, vous voyez. Mais l'eau doit s'évaporer pour pouvoir retomber et qu'on puisse la boire. Donc c'est le même processus, en fait. C'est un processus, si on veut, d'évaporation, d'extraction, enfin, vous voyez, ce genre de processus. Et puis donc, après Vénus, donc la Lune, Mercure, Vénus, ensuite le Soleil. Dans le Soleil, on va se libérer de conceptions astrales supérieures, c'est-à-dire des liens qu'on peut avoir cette fois-ci avec l'être humain en général. Voilà, et une fois qu'on est passé à travers ces différentes étapes, donc Rudolf Steiner dit que la sphère du Soleil est la sphère astrale la plus haute, la sphère émotionnelle la plus haute, donc on peut l'assimiler déjà au paradis. Et il dit que c'est là que se trouve notamment le trône du Christ. Donc, astral supérieur. Ensuite, on passe, là c'était ce qu'on peut appeler le pays de l'âme, le pays des émotions. Ensuite, on passe, donc de façon consciente ou inconsciente, suivant le degré de conscience qu'on a atteint dans sa vie terrestre, on va passer après dans le pays de l'esprit. Là, ce ne sera plus le pays de l'âme, ce sera le pays de l'esprit, donc un pays qui est le pays du pur penser, un peu le pays des idées de Platon, si vous voulez. Et puis, donc là aussi, il y a plusieurs, il y a trois sous-zones, si on veut, qui sont des réalités planétaires pour Rudolf Steiner, qui sont d'abord Mars, donc ce pays de l'esprit, on l'appelle aussi dans les traditions hindoues le Devachan, c'est-à-dire le pays des Devas, le pays des anges. Et effectivement, c'est décrit dans le pont par-dessus le fleuve, c'est là qu'on commence vraiment à voir des êtres lumineux qui ont envie de, qui sont là pour servir, en fait. Voilà. Et donc, première sphère, c'est la sphère de Mars, que Rudolf Steiner assimile avec le nirvana des bouddhistes. Puisque là, on a libéré toutes les émotions, toutes les attaches émotionnelles, et donc on baigne dans une non-souffrance, puisqu'on a plus ces désirs brûlants qui apportait une insatisfaction. Il y a une absence de souffrance qui est due, comme les bouddhistes l'expliquent, à une absence de désir égotique. Après, il y a encore Jupiter, Saturne, et il explique, donc là il donne moins de détails sur Jupiter et Saturne, simplement il dit que Saturne c'est la sphère la plus élevée, que les autres planètes en fait n'appartenant pas réellement au système solaire, mais disons étant venues se greffer dessus après. Et donc Saturne est la sphère la plus élevée, mais Saturne, il faut comprendre, donc, tout l'espace qui se trouve entre la Terre et Saturne, en traçant après une sphère, et que donc seules les personnes qui n'ont absolument
aucun préjugé de quelque nature que ce soit, arrive consciemment jusqu'à la sphère de Saturne. Hein, tout le monde y arrive, mais ceux qui avaient des préjugés, quels qu'ils soient, et qui n'arrivent pas à s'en débarrasser, vont passer dans cette sphère en fait en mode inconscient, hein, comme quand on dort en sommeil profond. Mais ceux qui y arrivent vont pouvoir capter des influences cosmiques, hein, puisque là, Saturne, en fait, c'est la planète donc la plus extérieure qui ouvre sur le reste du cosmos. Et les personnes qui, d'une vie à l'autre, arrivent jusqu'à Saturne vont pouvoir capter ces influences lointaines, si on veut, et les apporter pour, du coup, pouvoir faire avancer l'humanité vers des choses qu'elle ne connaît pas encore. Voilà. Et puis, une fois que que notre esprit arrive tout en haut, il commence sa descente, donc de façon plus ou moins consciente et avec un choix plus ou moins grand. Hein, c'est Rudolf Steiner explique que les personnes les plus avancées vont pouvoir choisir leur famille et leur pays, hein, et que sinon c'est pas le cas, sinon c'est plutôt de l'ordre d'une loi que d'une liberté. Et donc après, là, on va redescendre dans l'ordre inversé, hein, donc Saturne, Jupiter, Mars, etc. Il y avait eu un phénomène de libération et d'aller vers l'extérieur, de se libérer de ces choses-là. Et puis là, cette fois-ci, au contraire, on va reprendre des matériaux qui nous seront utiles dans la vie suivante. Voilà. Donc, ce qui est intéressant sur cette vision de Rudolf Steiner, c'est que donc, on a la vision des médiums avec base astrale, moyen astrale, haut astrale, et puis des vachans, si on veut. Et on a aussi donc ce qu'en disent les différentes religions avec le bas astral des médiums qui correspond à l'enfer et à la lune, l'astral moyen qu'on peut associer au purgatoire des chrétiens et aux sphères de Mercure et de Vénus telles qu'il les a décrites, et puis l'astral supérieur qui correspond donc à la sphère du soleil et au paradis, donc le paradis incluant aussi du coup le pays, ce que j'ai appelé le pays de l'esprit, c'est-à-dire le Devachan, le monde où on s'est libéré vraiment de tous les désirs personnels. Voilà. Donc, moi, ça me semble vraiment passionnant d'avoir cette perspective. Je trouve que ça donne un détachement par rapport à la vie, de savoir justement que tout ce dont on va se détacher après notre mort, que ce soit rapidement, facilement, parce qu'on en a l'habitude, ou difficilement, péniblement, parce qu'on sera en sevrage, hein. Mais en tout cas, tout le monde devra passer par ces étapes de redevenir un esprit et de pas seulement être une nationalité, un sexe, une position sociale, une famille, etc. Tout le monde passera par là, donc c'est intéressant d'avoir cette perspective qui nous aide, je trouve, à être moins attachés à ce qu'on croit être et à être plus dans la vérité de ce qu'on est. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant et que je voulais vous partager ces recherches que j'ai faites donc à travers la science, les religions et les médiums. Voilà, merci, au revoir.